Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Arc-en-Ciel, bonjour à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Un petit coucou à toute la famille de Jésus et mon guide qui nous aide à prier chaque jour le texte du jour avec différentes méditations. Une très grande richesse, merci Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 juin et nous avons la joie de fêter Saint Élisée et Saint Ruffin. Saint Ruffin qu'on peut aussi fêter au mois d'août. Saint Élisée, c'est un disciple, il est successeur d'Élie et il va évangéliser dans le nord du royaume en revendiquant avec courage et fidélité au Dieu unique d'Israël face au culte païen qui existe dans ce pays, au royaume d'Israël. Saint Ruffin, quant à lui, c'est un évêque qui a vécu au 3e siècle et il devient le premier évêque d'Assise. Donc voilà pour la petite histoire. Aujourd'hui, Dieu va nous parler du péché et comment vivre contre le péché. Donc tu as péché, tu as fait pécher Israël, nous dit la lecture du premier livre des rois. Un bon anniversaire si c'est votre anniversaire, bonne fête à vous si c'est votre fête. Donc Élisée, Élise, Élie, donc voilà, toutes ces personnes-là, très belle fête à vous. Commençons notre temps de prière avec le groupe Glorious. Saint-Esprit, voici mon cœur. Voici mon cœur.
Voici nos cœurs dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs. Lecture du premier livre des rois. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie: tu m'as donc retrouvé, toi mon ennemi ? Élie répondit: oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur, je supprimerai ta descendance, j'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai de ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat.
et à celle de Bassa, fils d'Azia, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Sous l'influence de sa femme Jézabel, il s'est conduit d'une manière abominable, en s'attachant aux idoles, comme faisant les Amorites, que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait. Il gardait la toile à sac pour dormir et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi? Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, que ce texte n'est pas facile du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, je vous laisse le relire. Vous avez quelques minutes pour le relire. Et après, nous allons pouvoir essayer, je dis bien essayer, de commenter ce texte. C'est bon? C'est parti. Eh bien, frères et sœurs, au niveau de l'histoire, nous sommes environ vers 860 avant Jésus-Christ. Et Akab, il règne depuis une quinzaine d'années. Il est à l'apogée de sa puissance, mais rien ne semble satisfaire. Et donc, c'est pour ça qu'il convoite l'héritage de Naboth pour agrandir son domaine autour du palais. Et à sa grande surprise, Naboth refuse les offres avantageuses qu'il lui propose. Et Akab, par la suite, va comprendre parce que lui, il respecte la loi. Et il comprend aussi que c'est Dieu qui donne à Naboth ses terres. Il respecte la loi, mais finalement, il cède. Pourtant, il va céder à la convoitise au point de sombrer dans la tristesse face à la déception éprouvée. Et c'est le moment critique où le péché couve en secret. Et Akab laisse la concupiscence, le désir perverti, entrer dans son cœur. On pourrait faire ce parallèle avec Caïn et Abel. Si vous vous en souvenez, Caïn qui est jaloux d'Abel, pour quelle raison? Je vous laisse revoir le texte. Jésus, quant à lui, si on fait un parallèle et un bond dans le temps, insistera sur la pureté du cœur en déclarant que le péché existe par la concupiscence avant même qu'il y ait passage à l'acte. De toute façon, celui-ci arrivera tôt ou tard si nous ne réagissons pas. Aujourd'hui, l'actualité ne cesse de nous offrir des exemples scandaleux au plus haut niveau de la politique, de la finance ou de l'industrie, plongeant à chaque fois une multitude de gens faibles dans la précarité et parfois la misère. Et nous ne rentrerons pas dans le débat. Ce qui apparaît ainsi de manière spectaculaire à travers le tapage médiatique n'est pas un aspect du phénomène tant la puissance et la convoitise aveuglent le cœur humain à quel étage que ce soit de la hiérarchie sociale. Eh bien, qu'en est-il de moi-même quand je suis en situation de pouvoir, aussi modeste soit-il? Comment est-ce que j'assume mes frustrations pour ne pas succomber à la tentation des compensations injustes? Revenons un peu avec Akab et la fin du texte. Et on voit qu'Akab, finalement, il va se convertir. Une conversion, c'est le fruit du courage exceptionnel.
Et dans ce texte, c'est le fruit du courage exceptionnel d'Élie face à un pouvoir absolu qui ne reconnaît plus de limites. Mais ce courage, Élie l'a puisé dans l'écoute de la parole de son Dieu, au nom duquel il agit. Sa passion pour Dieu, pour le Dieu d'Israël, le mène à une obéissance inconditionnelle à sa parole. Encore une fois, il n'existe pas d'écoute de la parole de Dieu qui ne conduise pas à une conversion ou à un engagement au service de la justice. Eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, la prière véritable devient action au service des hommes, car elle est relation vivante au Dieu juste et ami de l'humanité. Oui, servir le Dieu vivant, c'est inséparablement l'adorer dans le silence de l'écoute et accomplir sa volonté de justice et d'amour envers les hommes. Poursuivons notre temps de prière avec le psaume de ce jour. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu. Ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, Seigneur. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés, libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur,
nous avons péché. Frères et sœurs, merci d'avoir participé à ce temps de prière. Je vais vous souhaiter une bonne journée et nous allons terminer avec un chant international, un chant en anglais du groupe Hosanna de Hillsong qui dit « Open the eyes of my heart »« Ouvre les yeux de mon cœur ». Très belle journée à vous, soyez bénis. Lift it up.